Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on ouvre pour le roi et moi de Yellow. Pour le roi et moi, c'est un jeu de Steve Finn, illustré par Anthony Vinstock. C'est un jeu d'enchères où on va tenter de s'attirer les faveurs du tout jeune roi qui vient d'être couronné. Et pour ça, on va tenter de récupérer des cartes et avoir des majorités pour avoir les meilleures fonctions au sein de la cour. C'est pour 2 à 5 joueurs, ça dure à peu près 30 minutes à partir de 10 ans. Alors, on a la règle du jeu qui vous explique le fonctionnement des règles, le système d'enchères. Voilà, c'est très vite lu, ça va très vite à apprendre. On a la répartition des différentes cartes en fonction du nombre de joueurs. Donc qu'on soit 2, 3 ou 4, on va avoir cette répartition. Et ici, à 5 joueurs. Donc ça permet de compter un petit peu pour ceux qui aiment bien ça et avoir un peu plus de visibilité sur ce qui est encore disponible. On va avoir les punchboards. Donc comme je vous le disais, on va avoir différentes couleurs dans lesquelles on va jouer. Donc en l'occurrence 6 couleurs. Et chaque couleur, en fonction de la personne qui aura la majorité de cartes de cette couleur en total de valeur, elle va avoir des fonctions. Donc les fonctions, c'est assez rigolote. On peut avoir des fonctions un peu nulles, comme par exemple ouvreur de rideau, ou des trucs un peu plus cool comme compositeur royal. Ça, c'est un peu la classe. Donc ça, c'est les petits titres qu'on pourra avoir pendant la partie, à la fin, pardon, quand on aura accumulé suffisamment de cartes. Ici, on a notre petit blason royal, notre personnage, donc c'est recto verso. Vous pouvez prendre une fille ou un garçon. C'est vos petits bonhommes, hein, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va avoir dans le thermo un petit plateau, recto verso. Une version pour jouer à 5 joueurs, une version pour jouer à moi. Et c'est ici qu'on va mettre les petits ophées à gagner. Alors là, je les mets n'importe comment, mais globalement, vous avez compris comment c'était affiché. Voilà, les différents titres. Hop, et ici, on va avoir 2 paquets de cartes qui serviront notamment pour les enchères. Dans le jeu, on va avoir différentes cartes. Donc dans le premier paquet, on va retrouver les sous-sous. Bah, les sous-sous, ça servira à faire les enchères, hein, tout simplement. On peut avoir 1 sou, 2 sous, 3 sous. Et après, on va avoir les cartes royales qui vont vous affluer de petits pouvoirs supplémentaires. Donc ça fera partie des cartes qu'on pourra avoir aux enchères, mais on pourra avoir aussi aux enchères des sous. C'est juste que l'enchère va être différente. Quand on fait des enchères pour des cartes comme celle-ci, donc pour avoir des majorités dans des titres, hein, par exemple, on va dire, bon bah on joue pour cette carte qui vaut 3 bleus, on va faire des enchères. Bah là, les enchères, c'est simple, c'est avec le pognon. Donc une pièce, 2 pièces, 3 pièces, voilà. Celui qui gagne l'enchère remporte la carte. Quand il remporte la carte, formidable, ça veut dire qu'il va être en avance sur les autres dans la catégorie bleue. Par contre, de temps en temps, on peut tomber sur des enchères de thunes. Et là, vous allez me dire, on ne va pas acheter de l'argent avec de l'argent, c'est bizarre. Eh bien, effectivement, on va plutôt miser des autres cartes. C'est-à-dire que, on va dire, je mise une carte, 2 cartes, 3 cartes, pour pouvoir gagner 2 sous, 3 sous, etc. Donc il y a un double système d'enchères, entre guillemets, pour pouvoir récupérer des cartes, avoir des majorités, et tenter d'avoir les meilleurs titres que les autres. Petite chose à vous montrer, c'est le thermo, où on va pouvoir ranger les paquets de cartes juste ici, les différents pions juste hop, sous le petit plastique ici. Donc on a les blasons ici, on a les titres juste là. Donc après, on peut tout ranger proprement, et comme ça, on peut même secouer la boîte, et on n'a pas de problème de cafouillage à l'intérieur. Voilà, c'était une présentation du matériel de Pour le Roi et moi. Et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao.